Je pourrais dire qu'elle était pas mal, peut-être 7 sur 10, 7, 8. Bon, je dirais qu'elle peut avoir 6 sur 10. Sinon, je lui donne 1 sur 10. Bonjour, moi c'est Elise, bienvenue sur Sans Détour 229. Alors, la question piquante du jour est de savoir quelle note sur 10 donnez-vous à votre S. Tout comme moi, je suis curieux de prendre l'avis des uns et des autres sur le sujet, afin de savoir l'expérience qu'ils ont eue à partager avec le SDS. Alors, n'oubliez pas de taper sur la cloche de notification et d'aller en commentaire, partager également vos avis avec nous pour ceux qui ne vont pas être en direct avec nous. Quelle note sur 10 donnez-vous à votre S au lit? C'était une génération sans cesse. Ouais, c'était une génération sans cesse. Sérieux? Et comment vous arrivez à vous satisfaire ou à contempler le désir de l'autre? Tout est psychologique, on dit non. C'est faux. Si, genre, sans vous mentir, il respectait mes normes. Ne pas râler, tout. Donc, l'abstinence, pas de toucher. Voilà. Non, il y a quelques touchés, on va pas se mentir. Genre. Toucher quoi. Sur 10, quel nous donnez-vous à votre S au lit? Sur 10. Malheureusement que je n'ai pas d'aide, bon, je ne sais pas quelle note je pourrais. Et la belle dame qui est là actuellement, quelle note tu dis pour lui donner au lit? Bon, malheureusement que je n'ai pas encore commencé les actes et les rapports sexuels. Sérieux? Oui. Et vous faites comment pour gérer ça pendant tout ce temps? On sait comment gérer quand même. On sait comment gérer quand même. Partagez avec nous l'astuce. Bon, même si l'envie venait, on essaie de sortir, de se promener ou bien faire le sport ensemble. Ou bien quand même changer des idées par rapport à ça. Genre, dire que ce n'est pas ça qui est la priorité pour le moment et que nous avions des projets ensemble, donc ce sont les projets qui seront les prioritaires en ce moment. Donc, en quelque sorte, c'est un peu l'astuce. On vous aurait compris. Tata, quelle note tu dis, donnez-vous à votre chaleureux. Est-ce que vous a marqué négativement? Je n'ai pas de rapport. Non, c'est pas vrai. Quand on a un âge à petite donnée, on s'adonne. Donc, je préfère attendre. Et de votre côté, vous gérez cela comment? Pas la laitue. Juste la laitue. Oui, je préfère changer de mentalité en lisant les histoires ou bien en lisant mes cahiers. Bon, ça me change les idées donc. La laitue. La laitue. Bonjour, vous appelle Edgar Luc. C'est quel look vous avez, quel style d'habillement? Bon, c'est pas bon. J'ai pas un style précis. Je fais juste ce qui me passe par la tête, ce que je trouve cool, ça. Donc ça n'a pas de nom? Non, je sais pas trop. Moi, j'avoue que j'aime quand même. Merci beaucoup. Une note, allez-vous donner à votre S, Oli? Sa performance est sur Oli. Sur 10, combien pouvez-vous lui donner? Et la note s'attribuera uniquement à ses performances sexuelles. Uniquement. Bon, moi, je suis pas trop fan du sexe. J'ai pas été trop impliqué. Mais bon, les quelques fois. Sérieux? Ouais, je suis pas trop impliqué. Et ça me mettait la cause plusieurs fois à des ruptures. Bon. Mais bon. Je pourrais dire qu'elle était pas mal, peut-être 7 sur 10, 7, 8. Elle était pas mal, c'était quoi? Elle était pas mal, bon. Elle savait s'y prendre, elle savait gérer, c'était cool. À sa manière, elle arrivait à vous satisfaire. Ouais, c'était cool. Quelle note tu dis vous lui donnez au 16? Note sur 10 au 16. Là. Sa performance au lit, vous jugez ça comment? Combien sur 10? Est-ce que tu as dit que je suis puceau? Je ne peux pas croire cela. Quasi pour que vous ne pouvez pas croire cela. Je suis puceau. Vous êtes puceau? Ouais. D'accord. Et vous, quelle note tu dis à votre S au lit? À mon niveau, je pourrais dire zéro. Puisque on n'est jamais allé au CS. Zéro? Oui, puisqu'on n'est jamais allé au CS. Puisque la religion, puisque les musulmans ferventes, il y avait les histoires de religion qui étaient là. Donc il n'y avait pas d'attouchement, rien pour satisfaire le désir. Juste des petits câlins et tout. Quelle note sur 10 donnez-vous à votre S? Bon, je dirais qu'elle peut avoir 6 sur 10. 6? C'est insultant. 6 sur 10. Bon, ce n'est pas insultant. Oui, ce n'est pas insultant. Mais bon, à mon avis, c'est ce que je peux donner ça. 6 sur? 10.
Oui. C'est choquant. Choquant comment? Mais c'est ce que je peux dire, puisque l'effort, en fait, ce n'est pas réciproque, en fait. Vous voyez, non. Donc, plus je me fatigue et on est à thème, vous voyez, non. Donc, je dirais... Fallait pas l'amener à être performante. Et bon, là, à ce niveau, je ne la comprends pas. Parce que c'est comme si, bon, elle ne veut pas se gêner, vous voyez, non. J'ai une manière d'être un peu timide ou bien quelque chose du genre. Oui. Quand vous aurez compris, c'est votre réponse après. Pardon? C'est votre réponse après, quand vous aurez compris. Bonjour, moi c'est Elise. Et vous? Moi c'est Diane. Moi c'est Diane. Vous êtes jumelles? Non. Et pourquoi le même prénom? Coïncidence. Une note. Alors sur 10, quelle note attribuez à votre S, vous, à votre S, sur le plan sexuel? Combien? 1 sur 10 ça. À votre est sur le plan sexuel. Ça. Oui. Ah bon? Oui. 1 sur 10. Voire sur 10. Quelle note attribuez-vous à votre est sur le plan sexuel? Je m'attendais toujours à cette question-là. Ah bon? Oui, oui. Sinon, je lui donne 1 sur 10. Vous êtes sérieuse? Très sérieuse même. C'était si nul jusqu'à ce point. Je vous jure tout. Rien. Non, mais c'est décevant quand même. 1 sur 10. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Alors pourquoi il n'était pas incisé ou je comprends pas. Il ne bande pas. Si, si. Si, si. Ou bien il ne dure pas. Oh, exactement. Juste 2 secondes ou. Genre. On fait 2 minutes, mais c'est lui qui dit, qui connaît tout ça là. C'est pas encourageant. Ça c'est donne, pourquoi il mérite. Ça donne même pas envie d'aller encore le voir. Non, non. C'est pourquoi il mérite les... Il mérite les 1. Pour ne pas dire 0, donc je lui donne 1. Rien même. À mon aise, je peux pas le noter parce que je n'ai pas été à l'acte avec lui. Et ce pourquoi? À cause des parents ou la religion? Les parents, la religion et moi-même. Il n'y avait rien que vous puissiez faire pour satisfaire le désir de l'autre? Bon, je lui avais déjà dit que je ne voulais pas le faire. Donc on est resté comme ça jusqu'à se séparer. Vous regardez seulement quand vous voyez? Oui, bon. Il y a ça, les câlins, les bisous et tout. C'est aussi quelque chose.